5. 5 comme les nains de Blanche-Neige. C'est ma chemise de Tom Selleck, Magnum. Quand je parle de vin, c'est normal que je sois en Magnum. J'ai mis ma chemise de touriste. Le mot du jour est œnotourisme. Quand on tombe par œnotourisme, eh bien, sachez, chers spectateurs, dans une région comme les Côtes-du-Rhône, là où on a ces merveilleux vins des Côtes-du-Rhône, on a plein d'endroits qui sont merveilleux à visiter. Alors vous avez les endroits touristiques bien connus. Le pont du Gard, le pont d'Avignon, où l'on danse tous en rond. Le palais des papes, toujours à Avignon, comme ça vous faites les deux en même temps. Enfin, il y a plein d'endroits merveilleux, mais il n'y a pas que ça. Le no-tourisme, c'est découvrir chaque pierre, chaque vigne, chaque vigneron, parler avec le vigneron, caresser le chien, dire bonjour à sa femme, du vigneron, pas du chien. C'est ça le no-tourisme. Loger sur place, goûter sur place, manger avec eux, partager et ramener des cartes postales. Parce que quand on ramène des bouteilles, on ramène des cartes postales avant de ramener des bouteilles. On ramène des paysages, on ramène des souvenirs, et le no-tourisme, c'est tout ça. C'est pas beau, ça? Hein? En tant que Belge, lorsque vous êtes en été dans le coin et que vous faites de l'œnotourisme, quand vous êtes là pour le 21 juillet, sachez que dans beaucoup de villages, je ne dirais pas tous, mais dans beaucoup de villages, il y a des fêtes nationales pour les Belges le 21 juillet. Parce que d'abord, ben, les Français sont contents de nous voir, ils font la fête une fois de plus grâce à nous, parce que nous, on aime bien faire la fête tant qu'à faire. Vous verrez la fête nationale. Ça donne envie d'y aller, non? Caramba, j'ai failli oublier l'essentiel, les 9 routes œnotouristiques de la vallée du Rhône. Des routes où se succèdent les domaines, les paysages, les crêtes et les vallées. Allez, roulez jeunesse. Zeus et Apollon, venez. Le chemin des vignes mène forcément au vin des Côtes-du-Rhône. Et cette fois-ci, c'est à Ixelles qu'on vous donne rendez-vous.